Les épreuves écrites du baccalauréat blanc au niveau du secteur privé s'est déroulée en toute quiétude, ce malgré quelques défaillances constatées au niveau des autres centres d'examen. Nonobstant ce dysfonctionnement, dans les autres centres choisis, les candidats composent dans la sérénité. Nous sommes ici à l'école Terricchio. L'examen se déroule bien depuis ce matin, depuis 9h30. Vraiment, nous sommes très à l'aise ici. On a fait maths pour la série scientifique et la série littéraire, ils ont fait français. L'examen s'est bien déroulé, ça se passe tellement assez bien. Ce sont les choses qu'on a déjà vues, le sujet abordable. Le comité d'organisation du baccalauréat blanc du secteur privé a par ailleurs éclairé les parents d'élèves sur le désagrément au centre d'examen de Javoué. Il faut cependant reconnaître qu'il y a eu un petit malaise au niveau du centre Javoué 1 et 2. Javoué 1 et 2, c'est un centre de religieux. Alors, nous avons eu cette difficulté de contact. Ainsi, la journée de dimanche hier, lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, il n'y avait personne. Nous avons reçu un contact de quelqu'un qui ne prenait pas le téléphone. Ainsi donc, le centre n'a pas été préparé. Voilà pourquoi il y a eu un petit désordre ce matin. Mais nous avons remédié à cela. Nous avons donc demandé à tous ceux qui ont été affectés à Javoué de repartir à la maison et de revenir demain pour continuer avec le deuxième jour des épreuves. Nous lançons donc un appel pressant aux parents que c'est la première journée que Javoué n'a pas fonctionné. Dès demain, 7 heures, les élèves doivent être en classe avec la deuxième journée. Et cette journée qui a été perdue, nous allons la rattraper, madame. Le comité d'organisation des examens du secteur privé a également souligné l'effectivité du baccalauréat blanc dans 27 centres à Brazzaville, à l'exception du centre Javoué qui a connu quelques dérapages.